Évidemment, à deux, ce serait beaucoup plus simple. Bonjour, bienvenue à tous et bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Moi, c'est Fabrice. Aujourd'hui, je vais terminer la partie toit. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé sur le toit, étant donné que j'ai profité des quelques jours de soleil pour terminer avant qu'il pleuve. Trust you. We'll be right back.
les rives Pignon iront comme ceci. Voilà. Évidemment, à deux, ce serait beaucoup plus simple. Et voici nos vis avec le chapeau pour l'étanchéité, pour fixer nos bacs acier sur le toit, sur mon contrelaçage que j'ai effectué préalablement. C'est pour savoir où est mon contrelaçage. Aujourd'hui, je vais terminer la partie toit. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé sur le toit, étant donné que j'ai profité des quelques jours de soleil pour terminer avant qu'il pleuve. Et j'ai bien eu raison, parce que ça fait une semaine qu'on se prend de l'eau sur la tête. Donc il me restera juste à fixer ce morceau-là. J'ai décidé de ne pas le mettre pour vous montrer quand même un peu les fixations. Donc on a nos vis spécialement pour... avec une vis tarot pour percer la tôle, la cassier et notre étanchéité. Mon toit étant terminé, la prochaine étape sera évidemment de faire le bardage pour pouvoir après mettre terminé avec mes rives pignon. Voilà, comme vous avez pu le voir, mon toit est terminé. Donc, nous, on a choisi le RAL 5008, qui est un peu un gris bleuté, qui fera très joli. Donc, voilà, la prochaine étape sera le bardage. Donc, une fois notre bardage posé jusqu'à ce niveau-là, il y aura évidemment nos rives pignon qui viendront recouvrir un peu le bardage et fermer ceci. Mmh.